Alors. Donc, on passe d'enquête. Bon, nous, on a les trucs à vaincre, mais de toute façon, les monstres. Carotine, moutardon, caroteigne. Donc, faut battre des carottes, quoi. Et en bûcheron, qu'est-ce qu'on a comme bois à récupérer? De nouveau, le pin au mont Simneige. J'avais pas réussi à l'avoir hier. One shot. Les carottes, elles sont là. Et il y a une moutarde en plus. Enfin, c'est rare les moutardes. Ça compte si c'est moi qui les bute pas? Ça compte a priori. La moutarde c'est fait. Non, ça c'est forestral ça. Toujours rien. Normalement là on devrait avoir une chance de l'avoir. Ouais, level 38. Campin, rondin de pain ancien. Et de 1. Et de 2. Qu'il n'y en a pas d'autres là-haut. Il y en a au niveau du gorille. Gorille.
Yeah! Le pain ancien, c'est fait. En un coup, alors qu'hier j'ai galéré pendant une heure. Ouais! Ah, pas s'en plaindre, hein. Un grand pain du Mont Simneige. Puis échange ton butin en tant que bûcheron. Ah! Bon, il va falloir revenir en tant que bûcheron. Moi, je vais combattre tout ce que je croise sur le chemin en rentrant aussi. On va pas faire de retour rapide. Pour entraîner ma maîtrise de l'épée à deux mains. Parce que sinon, on va rester avec une épée à deux mains en bronze pendant toute notre vie. C'est pas vraiment ce qu'on veut. On va creuser un peu tout aussi parce que en tant que mineur on a le défi de creuser 400 trucs. Même si c'est pour le rang légende, enfin le rang héros pardon. Le rang légende vient après. Normalement, il y a encore une carotte par là-bas. Allez, repop. Yo, Calamitix! Ouais, exactement, je joue sur émulateur. Pourquoi tu trouves ça plus beau? On va aller prendre le rang bûcheron. On va s'équiper de l'épée à deux mains, bien sûr. Toujours moyen d'améliorer le jeu, je suppose que tu feras le nouveau en fin d'année. Oh oui.
Oh oui, je ferai le nouveau, ça. Je peux en être sûr. Peut-être même jour 1. Parce que contrairement aux autres jeux en triple A qui sont joués par tout le monde, je pense que ce jeu ne sera pas joué par tout le monde. Et du coup, ça laissera à ceux qui veulent profiter du jeu la possibilité de profiter. C'est bon, hein, je suis actuellement bûcheron, ouais. Repartons du coup pour la montagne. Non, on va pas partir pour la montagne, on va dormir avant. Full force, toi, dis donc. Hop, oui, bon. J'ai mis tout en force, comme ça je fais le maximum de dégâts possible. Et je suis que niveau 38. Donc ensuite je fous tout dans la chance pour avoir le maximum d'objets. Et puis on verra. De toute façon. Non, tire-toi, sale cleps! De toute façon, il me semble qu'il y a moyen de remettre ces points si jamais on en a besoin. Il me semble. Genre en alchimie, tu peux créer une potion, un truc comme ça. Te voir souvent dessus me rend curieux. Je m'amuse beaucoup sur ce jeu, faut savoir. C'est un jeu de farm. Mais contrairement à certains jeux de farm où le monde est vide et où au bout d'un moment, tu te retrouves sans avoir à faire quoi que ce soit. Là, ce jeu, il y a vraiment de l'utilité en fait. Genre, tu dois farm le bûcheron pour pouvoir farm le reste. Ou en tout cas, ça améliore l'aide de farm pour le reste. Si tu farmes pas bûcheron, ça va être très difficile de monter charpentier. Parce que du coup, les arbres, c'est pas toi qui les récupéreras et du coup, tu pourras pas avoir un maximum d'arbres, il faudra juste de l'argent. Et l'argent, bah, c'est pas non plus le truc le plus simple à avoir dans ce jeu. C'est ça, les métiers sont liés. Par exemple, pareil pour les minerais. C'est mieux de récupérer son propre minerai plutôt que d'acheter son minerai autre part, car au moins, il dépense pas d'argent dedans. Et en plus, plus tu augmentes ton niveau de mineurs, plus tu peux obtenir de meilleurs minerais et des minerais des fois qui sont même pas achetables techniquement. Donc ça aide quand même. Ou alors des minerais qui valent mais une blinde. Aussi. Et c'est pareil pour le bois. Là en ce moment je suis en train d'entraîner le bûcheron. Et à le mercenaire aussi, parce que le mercenaire a la particularité d'avoir une épée à deux mains. Qui, bon, donne une grosse puissance, quoi. En fait. Je me tenterai bien une fois que j'aurai fini mes jeux. Vaut mieux finir ce qu'on fait, ouais, avant de s'attaquer à ce jeu-là. Parce que non, le grand pain, il a pas repop, sérieux. J'ai dormi pourtant. J'ai dormi, monsieur le juge. Pourquoi il n'a pas repos? À moins qu'il ait pop autre part. C'est toujours le même d'ailleurs. C'est Citra pour la 3DS, toujours. Enfin, je sais pas si ça a toujours été Citra, mais là c'est Citra. Ah, il est là.
Desmoum. Alors, Desmoumé, il a... Enfin, Desmoum, Desmoumé, Desmium. Il a un énorme souci en ce moment. Tous les jeux auxquels on joue dessus crachent au bout d'un moment. Genre, tu joues sur le jeu. Ta progression, il vaut mieux la sauvegarder souvent parce qu'à un moment, ton PC va éteindre l'émulateur comme ça. En un énorme freeze. Du coup, le mieux, c'est d'utiliser Melon DS. Au moins, celui-là, il merde pas. Et il est très stable. En tout cas, ça me l'a fait sur trois jeux. Sur Pokémon HeartGold Soul Silver, Pokémon Noir et Blanc 2 et Pokémon Noir et Blanc. Après, c'était que des Pokémon, donc on va savoir si c'est peut-être que ça, mais... Un arbre de terre sacrée auprès Emerald West. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Vu que je dois le faire en tant que bûcheron. Non, je vais pas retourner en ville pour redevenir mercenaire. On va vraiment aller se focus sur l'arbre. Et je reviendrai après. Parce que sur le chemin, c'est sûr qu'on va rencontrer des carottes. Et de la moutarde. Non, la moutarde, c'est fait. Il me faut les carottes. Et autre chose. Mais je pourrais pas les vaincre... Regardez, là par exemple il y a ça. Il faut pas que je les fasse maintenant. Parce que je ne suis pas mercenaire, je suis bûcheron actuellement. Tu dois répartir en ville pour changer de métier à chaque fois. Ouais. Ça c'est malheureux par contre, mais... Qu'est-ce qu'on doit faire, ouais. Alors là, il faut que je trouve l'arbre de terre. Où est-ce qu'il pourrait être? Il y a des pins. Sur la plage par hasard l'arbre? Non. Mouton noir, mutez-le! Le gars. C'est peut-être ça. Non, ça m'étonnerait.
Les mystérieuses. Qu'est-ce que tu veux dans ma collection? Oh, elle vend tous les genres de fleurs. Ah, et des pierres de crypte. Et tout plein de trucs sympas. Oh, d'accord. Ben, si je cherche des fleurs, un jour je sais où les trouver. Cet arbre. Déjà voir si je suis au niveau pour le vaincre l'arbre aussi. Qui sont dans la ferme de pépins, quand même. On se sert quand même, mais bon, je pense pas que... Là, il y a un arbre à pommes, normalement. Ça... Ah non. Nanananana. N'est pas là. Des bisous Calamitix. Était trop beau. Il faut vraiment que je sois en tant que mercenaire là, pour que ça compte. Les radis, en plus, il me semble qu'il faut les battre qu'une seule fois. Ça a l'air bien loin à monter le niveau, par contre, là. L'épée à deux mains. Conseiller mercenaire. Peut-être qu'en tant que mercenaire, ça monte plus vite. Je sais pas ce qu'il vise mon perso, mais bon. Ah, l'arbre de terre, il est peut-être là-haut. Comment on fait pour grimper?
pas. Il a l'air même pas là, c'est juste un coin de pêche. On commence à y avoir une tempête. Sceptre de pain. Forcément, l'arbre de terre est en bas du coup. C'est le seul endroit que j'ai pas vérifié. Ou il est à côté du toucan. Ah, le voilà. Et en même temps que ramener ça, on va reprendre notre métier de mercenaire du coup. Le seul pour qui Twitch bug à mort ce soir? Ah, je sais pas, j'avais pas le rendu Twitch. Mais ça a pas l'air de bugger sur mon téléphone en tout cas. Une carotteigne et pas un raditeigne. Ok. Donc les radis, c'est mort, faut faire les carottes. T'as reçu la photo sur Facebook? Il
C'est à cause de... des trucs à la con qui arrivent, c'est ça? Les palmiers. Faudrait les anciens palmiers. Gros caillou. Quel truc à la con. Bah quand tu as des personnes comme ça qui te disent tu as reçu la photo sur Facebook en sur Messenger, ça veut dire que c'est son truc a été piraté et parce qu'il t'envoie tu as reçu la photo sur Facebook en plus de te mettre un lien de la photo. On va aller chercher les palmiers anciens et ramener les trucs en tant que bûcherons. Peut-être dormir. Moi aussi, je veux dodo. Bah, va dormir. J'ai le droit. Alors, faut trouver le palmier ancien. Ah bah. Je viens de trouver un rondin de palmier ancien. Dans un palmier normal. Pour ça. Putain, con de roi! Oiseaux, les oranges. Thank you.
Je dois vaincre un ennemi avec ou je dois juste l'utiliser? Vaincre un ennemi, ok. Les alliés, ils vont jamais me laisser vaincre l'ennemi, j'ai l'impression. Je vais les virer. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin d'eux. Allez me reposer. Bonne soirée. Bonne nuit. Grosse queue. Elle nous abandonne, elle ne nous aime plus. Mais ça, c'est depuis le début, ça. Elle a pas besoin de nous abandonner pour qu'on le sache. Je suis con, j'attends même pas que je sois d'être régène pour...
Hop, et le truc d'eau, il faut le ramener en tant que bûcheron. Mais du coup, c'est pareil pour le palmier, donc on va chercher le palmier également. Laisser à l'entrée, ça on sera sûr de le retrouver. Faut juste que je batte pas trois boss de plus. Sinon ça va annuler l'arbre d'eau. Et par boss, j'entends également les gros minerais. Ah, peut-être qu'il y avait de la chance de m'avoir du palmier ancien là, non? En faut encore deux. Dommage. Ah, le maxi palmier. Dommage, va falloir chercher du palmier ancien encore, hein, du coup. Parce qu'en plus, cette récompense aura beau me donner du palmier ancien, c'est pas... Ça comptera pas parce que ce n'est pas dans la zone. Juste que je repasse bûcheron du coup vite fait avant de vendre tout ça. Voilà. En plus, l'arbre d'eau, ça tombe bien, c'est l'arbre qu'on doit farm pour avoir la hache supérieure.
j'ai envie de bon bec. Je reviens. Ils sont pas là, faut que j'aille les chercher. J'en aurais assez là-dedans. Bon, du coup, le rondin ancien. Il manque encore 3 à vaincre. Ça m'a rajouté des trucs. Crocodile. Ok. Se refaire tous les palmiers. Il faut 2 rondins anciens. Des rondins anciens, quoi. Au secours. Pop les armes que j'ai fait. Non. Ah, plus qu'un. Thank you.
Je devrais revenir sur ce chemin. Autant monter. Faut que je retienne qu'il n'y a aucun palmier sur ce chemin-là. Donc ça ne sert à rien de venir. Aucun palmier n'a été maltraité durant ce stream. Ils ont tous été abattus avec amour. Compétence de coupe atteint le niveau 8. Donc je peux même prendre maintenant la hache de niveau 8. La hache de niveau 8 c'est quoi? Je sais même pas. De toute façon on va arriver à un point où je vais passer maître donc...
Fabriquer la hache de niveau 8 me servira à rien. D'ailleurs, attendez. La pioche que j'ai actuellement, c'est la pioche de quoi? C'est la pioche de niveau 8, ok, donc c'est la pioche de maître. Donc quand je passerai maître, j'aurai ma hache de niveau 8. En vrai, ça ne sert à rien de passer au-delà. Ça sert à rien de passer au-delà, si, ça sert à quelque chose, je veux dire ça. Ça sert à rien de fabriquer nous-mêmes notre pioche de niveau 7 alors que... On va voir celle de niveau 8. Seulement il faut que ce bout de palmier ancien pop. Le gros palmier s'est déplacé. C'est quoi son deuxième emplacement? Va falloir qu'on explore. Hein. S'il repop là en fait l'arbre. C'est que normalement il n'y a pas de... Ouais, il est là, c'est bien ça. Ancien. Sérieusement. Sérieusement. Mana d'eau plus. Et donner du rondin ancien.
Ça fait du stock, hein, mais en attendant, on n'avance pas, quoi. Au moins, c'est moins rageant que de faire les tutos sur des BZ. Wink wink. Ah mais on a un palmier en ville. Il fallait le dire tout de suite. Nul. Nail. Ah. Enfin. Alors, prochaine quête de bûcheron. Les dattiers. Dattier ancien. Trois dattiers anciens et le grand dattier. Ok, donc en route pour Almagic. C'est moins cher de partir de notre village. Juste pour valider déjà notre... premier niveau.
Là-bas, caverne des ombres, mais le bruit court qu'un portail étrange y est apparu. Ça se trouve, il fallait juste lui parler à lui. Ils sont chez moi les euros. Que je crois pas être niveau 40. All magic. D'ailleurs, en tant que mercenaire, du coup, j'ai quoi comme quête maintenant, en tant qu'apprenti? Attaque chargée avec X pour vaincre des ennemis. Appuie sur A 4 fois. Gingembrine dans Forestral, 5 gingembrine dans Forestral, 10 gingembrine. Ratitine, ouais, on l'a déjà faite, donc c'est facile. Ratitine. Tortue. 3 tortues, 5 tortues. Procarapace. Mon cime-neige. Ours des prés de Forestral. Bon, on a de quoi faire en tant que mercenaire. Mais encore, on a encore rien à faire ici à Almagic. D'ailleurs, il y a mon niveau qui a augmenté, donc je peux peut-être m'équiper d'une meilleure épée. Oui, c'est pas de mon argent. Hop là. À Almagic, vu qu'on est un peu là en tant que mercenaire, alors qu'on n'est pas forcément très fort, on va prendre des alliés. On va prendre Odin et sa majesté, sa méchanceté, pardon. J'adore l'ambiance d'Almagic. Il n'y aurait pas ces sables chauds et torrides. C'est la ville dans laquelle j'aimerais habiter. Hier, on m'a demandé quel genre de ville je préférais entre les trois villes du jeu. Thank you.
Le cœur sur la main. Ouais, c'est l'espèce de cœur démoniaque. Faut encore le niveau pour le faire, mais... Alors, faut qu'on cherche les arbres du coin. Oups. Faut que je le prenne avec moi. En bas, on peut... Bâtier, donc il va falloir que je fasse. Ça me compte encore en combat. Il m'en faut plein du là-dessus. Douloureusement, quoi. Donc, ça se trouve c'était faire avec Est-ce que j'ai le niveau pour ça? Ah! Ah non, c'est l'élément de feu, je l'ai déjà fait, je crois. C'est l'élément de terre que j'ai pas fait. Du coup, il doit y avoir l'arbre de feu aussi ici. Ah,
Avant toute chose, faut qu'on trouve le dattier ancien. Il est peut-être pas en bas. Ah, il y a l'arbre d'eau. Non, c'est l'arbre devant, ça. On a 4 chasses préhistoriques. Alors. Je peux le faire. Il faut que j'aille l'échanger en tant que bûcheron. Bon, c'est tellement précieux que je crois que je vais le faire tout de suite. On est à côté de la ville là. Et je rechercherai l'arbre juste après. Le dattier ancien. À mon avis, il est quelque part en bas ou en haut à gauche. Il est où le truc ici? Il doit être tout en haut, dans les quartiers occultes. Non, justement, il est en dessous. Okay. Il est dans les quartiers des sables. Voilà. On va dormir un coup. On ira de nouveau récupérer un arbre du vent, mais cette fois-ci pas obligé de transformer en bûcheron. Quoique on le fera quand même vu qu'on sera avec le palmier. Un peu, j'allais le toucher avec attaque tournée.
Et puis quand je peux le toucher, ça le fait pas. Dommage. Encore ces problèmes de latence de touche. Comme dans DBZ, où il y a trop de données à la fois. Il est là le méga datier. Datier ancien, datier ancien, datier ancien. On a eu tous les datiers anciens en même temps. Ça c'est cool ça. Du coup, faut juste que je ramène le truc de datier, en fait. Ouais, ça faut que je le ramène. Ok, c'est le dernier truc qui me reste à faire. Et on peut aller voir notre chef bûcheron. Et ben allons-y. Peut-être quand même aller récupérer l'arbre devant. Et non pas derrière. C'est bizarre, y'a personne pour réagir à ma blague de merde. Aïe. Voilà. On peut rentrer voir notre maître. On va sûrement monter maître. Là. Avec tout ce qu'on a fait, on va passer maître instantanément.
Non, peut-être pas. Il va me manquer quelques trucs. En vrai. Non, oh putain, 800. À 800 points près, je suis maître. Mega Eli Cash. Faut rester dessus plus longtemps. Bon bah si je suis pas maître tout de suite, faut peut-être que j'aie une hache de niveau supérieur du coup. On va aller voir ce que dit notre deuxième mentor. Peut-être qu'il nous donne une hache. Très glamour, mais depuis tout à l'heure j'ai l'impression d'avoir un truc dans le nez, vraiment à cause de cette lapine là. J'ai des papouilles avant de lancer le stream et du coup je dois avoir des poils plein de nez en fait. J'en ai pas fait encore. Non, ma hache elle est supérieure à tout ce que je peux fabriquer, donc laissez tomber. On va garder notre hache pour le moment et puis ben on va aller faire ce qu'on a à faire en plus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc Eliash, ok, rondin du désertier. Lac souterrain sud du désert aride. Donc il y a des rondins désertiers. Au lac du souterrain. Sapin ancien. Ça, on pourra monter en maître. Go, moi je dis.
Ouais, level up. Lac souterrain, c'est le truc en bas. Du coup, là-dedans, il y a des arbres, a priori. Je parle de la lapine. On te fout un bordel. Désertier. Ils sont peut-être allés un peu fort pour une araignée. Yo Borderlandeuse, alors quelle carrière? Non, bûcheron. Mercenaire, j'augmente mon niveau de d'épée à deux mains, c'est tout.
assez. Et là, très clairement, il me reste 800 étoiles avant d'être maître bûcheron. Donc. Ce soir, on l'a, quoi, le maître bûcheron. Sachant qu'il y a des trucs, ça te donne 600 étoiles. Là, il y a le bûche, l'arbre légendaire qu'il faut. Enfin, légendaire. Le boss arbre, mini boss. Je sais pas comment on appelle ça. Ancien en même temps. Là, on va ramener ça du coup en tant que bûcheron. Puis on reviendra et on va farm du coup les désertiers. Moi je trouve que c'est assez dur de faire le quatrième combo de l'espadon. Genre les trois premiers ils font normalement, mais le quatrième il est pas souvent pris en compte par la touche. Voir c'est que j'ai trop l'habitude de spammer A alors qu'il faut appuyer A. Ah. Ouais, c'est ça en fait. Faut attendre un temps. Par contre, du coup, il faut pas que j'aie d'allié en faisant cette quête là de devoir faire des KO avec l'attaque ronde. Parce que du coup, ils butent mes ennemis avant que j'ai le temps de les faire. Hop là. Des animaux de compagnie. Moi je le fais parce que là, en tant que mercenaire, je fais pas énormément de dégâts, quoi. Plutôt de perdre la vie inutilement. Peut-être que je dorme avant pour faire repousser les armes. Merci, bonne soirée à toi. La prochaine fois que tu viendras, on sera maître bûcheron. Déjà là, la quête de l'arbre à rendre, elle était à combien? Elle devait être à 600, un truc comme ça.
300 et 500. Je suis maître. J'ai même pas besoin de repartir en fait. Je suis maître.